Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est assez particulière parce que j'ai retrouvé ce magnifique téléphone, l'iPhone 4S, et j'ai décidé d'apporter toutes mes photos de ce téléphone, à savoir le premier que j'ai eu, et on va regarder ça. Il y a des trucs de fou furieux. Je me suis pas spoil, j'ai essayé de regarder le moins de photos possible. Je voulais d'abord vous remercier pour les vidéos qui sont sorties récemment, c'était incroyable, merci beaucoup, j'ai adoré vos retours et je crois que vous avez kiffé aussi les vidéos, donc merci beaucoup. Isley, j'ai plus beaucoup de voix, j'ai un peu perdu la voix, c'est pas grave. Il y a toujours tu vois, quand même. Si tu kiffes, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux même partager, commenter pour me donner encore plus de force. Et je t'invite à le faire parce que comme ça, vraiment, on touchera les cieux. Ok, là, normalement, vous voyez mon écran et vous voyez que la première photo, c'est ça. C'est ça, c'est pas incroyable, les gars. 15, flash. T'es là. Mais c'est pas des photos de moi, c'est pas des vidéos de moi, c'est juste j'ai pris ça sur internet. Du coup, là, on va regarder les premières vidéos. Et ça, c'est mon père qui a pris cette première vidéo. C'était aux eaux de Beauval, je crois. Je sais plus quel âge j'avais. C'était en 2013, donc j'avais 6 ans. Voilà. 6 ans? Ouais, 6 ans, 29 décembre. Regardez bien ça. M'étais fait un pote. J'étais un HPI. C'est des... Non, c'est pas des comportements d'HPI, ça? Non, je sais pas. Ah non mais putain, quelle folie, ce zoo, c'était incroyable. Je me rappelle que quand j'ai dû partir, eh ben j'ai pleuré, parce que du coup j'allais plus jamais le revoir et c'était mon pote. Ah, ça me met les émotions, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'était tellement beau, c'était tellement incroyable, gros, c'était fou, j'étais tellement proche. Les animaux, et là c'est moi et mon chat. En quelle année? 2013 aussi? 2014, 13 octobre 2014, j'avais pris un an. Et là, ma petite pupusse qui nous a quittés. Non, c'est pas grave. Putain, la dégaine que j'avais, en fait, j'ai la même coupe, c'est ça qui me rend fou. J'ai vraiment la même tête ou pas? Waouh, gros, c'est quoi? Waouh, gros, ça c'était Sheffield. J'étais allé à Sheffield et bah, ça faisait froid. Et mon frère, il m'avait mis son écharpe Liverpool. Parce que mon frère, il est pour Liverpool. Yes, le beau gosse! Alors, le beau gosse, je me rappelle, ce t-shirt, je l'avais acheté à Lidl avec le short et les chaussures. J'avais un outfit complètement Lidl. Et franchement, bah, je te jure, le t-shirt, il était trop stylé. J'aimais trop. J'aimais trop. Oula! Yes. En fait, des fois, je me dis, est-ce qu'il faut que je cherche à comprendre? Mais je crois pas. À cette époque-là, j'étais vraiment addict au coca. Et en fait, le coca me donnait une énergie de fou furieux. C'est-à-dire que mes parents ne me laissaient boire du coca que le midi. Le soir, c'était impossible parce que sinon, je dormais pas. Et j'étais trop excité et tout, ça rendait fou tout le monde. Et là je pense, les vidéos, je pense, c'est le pire parce que vous allez déjà entendre ma voix. Et des folies, je pense. Ouais, Big Len Z, ça veut trop dire quelque chose. Aïe aïe aïe. Et là il y a de la vidéo là. 3 minutes 16 de vidéo, mais qu'est-ce que je fais de la vidéo? Mais oh là là. Oh, oh non, je peux pas regarder ça, gros. Big Time Rush. Oh les lunettes. Oh là là. Oh non, c'est génial. Oh gros, c'est trop grave. Oh. Wait a minute before it's on me. Oh gros, il y a... Oh, Ethan, putain, gros, la dégaine qu'on avait. Oh, ça peut me faire chialer de rire, ça. Je faisais trop le beau gosse. Je faisais trop le beau, gros. Non, je te jure, c'est trop grave. C'est quoi, ça? Pourquoi je fais un enlèvement de lunettes de pédophile, là? J'étais beau gosse, hein. Je faisais déjà des vidéos, en fait. Never us follow we Tennessee. Paper, oh, il y avait tous mes Lego. Waouh, attends, où est-ce qu'on voit un peu les Lego? Parce que ça, en vrai, on s'en fout, gros. Pourquoi tu chantes tout le temps? T'es horrible. Non. Je m'en fous. Wesh. Mais le mec est énervé. Mais attends, mais gros, pourquoi je te parle comme ça, gros? Non. Je m'en fous. Wesh! Oh, il me fait peur! Bah attends, mais gros, je suis choqué du truc. Faut que je me remette de ces émotions là. Mais gros, j'ai engueulé Ethan comme si c'était. Wouah! Vénère le gars. Quoi? On va passer sur le tout. Wouah!
Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le 3 septembre 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et nous sommes sur YouTube, les gars. Si ça, c'est pas incroyable, ça me met la petite larme. J'avais déjà envie de faire ça, alors. Ouais, oh, Ethan, gros, la dégaine que t'as, mon gars. Oh. Oh. Oh là là. La batterie électrique. Ouah, j'avais une batterie électrique parce que mes parents, ils voulaient pas que je fasse beaucoup de bruit quand je jouais. Oh, la folie. Le mec va partir en couille. Allez. Allez. Ouah, oh, le bordel. Et là, c'est là que c'est stylé. Il y avait des enceintes, j'avais des enceintes. La dégaine et les muscles. Non, j'avais 9 ans, calmez-vous. Ouais. Ouah. Ah là là, Beethoven, si tu nous regardes. Ah. Ah. Ça c'est du bon, ça c'est de la musique, ça. Oulé. Ah ouais, bah quand même, hein. Ah non, mais j'étais fort à la batterie, hein. Tu sais qu'en vrai, j'en ai fait 2 ans, 3 je crois, un peu moins de 3. En vrai, ça va à la fin. Après, j'ai fait de la guitare, c'était bof. Ouais, là c'est parti en couille, là, y a un truc de merde. C'est moi, ça? C'est moi, les gars. Dans les années 40, cette coupe de cheveux a fait des ravages, je le dis. C'était quoi le projet, gros? Mais quoi? Oh, la cuenta de baiser, les gars! Ah, c'était trop stylé! Non, gros, la coupe de Dodolphe. Oh non! Oh non! Si ça, c'est pas beau, les gars! 2018, 18 février. À Disney. Si ça, c'est pas stylé, les gars, qui a un selfie avec Flash? Moi, personnellement. J'ai plus de voix! J'ai plus de voix! Oh non! C'est le match de l'équipe de France, gros. Moi, je suis né le 9 juin 2007. Et là, c'est le 9 juin 2018. Il y avait France-États-Unis à Lyon. Et du coup, on m'a offert les places. Et nous sommes allés voir ce match. Oh là là, des souvenirs, gros. Regardez là, Paul Pogba avec les crampons, les prédateurs. Paul Pogba avec les crampons, les prédateurs. Oh là là, fluo. Oh là là, c'était génial. C'est vraiment la meilleure journée, je pense. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais passé de ma vie. C'était incroyable, putain. C'est le seul match que j'ai vu où Grisou il jouait. Regarde, Giroud, Pogba, Grisou. Après, ça doit être Matuidi, peut-être. Varane. Oh là là, les gars. Oh là là, le Grisou qui tire le corner. Et là, il y a... Oh là là, voilà, c'est celle-là que je cherchais. Regardez-moi cette photo de feu. Certes, il y a la qualité d'un iPhone 4S. J'ai une photo de Grisou et je te jure, ça a été mon fond d'écran pendant des années. Là, je suis tellement triste. Qu'ils ont bu là! J'ai versé ma larme, en vrai de vrai. En vrai de vrai, j'ai pleuré quand il a annoncé sa retraite internationale. Je me rappelle à ce moment-là, c'est peut-être un corner d'après ou quoi, mais je suis en haut, du coup, dans les gradins. Et là, il y a Grisou qui va justement tirer son corner. Et juste avant qu'il place la balle, je fais Antoine! Comme ça, je gueule avec ma petite voix de gamin. Et il s'est retourné, comme ça. Bon, il m'a pas vu évidemment, mais au moins, il a entendu ma voix. Ah, chier le corner. Antoine, non, là, quand même, t'as abusé, Antoine. Non, je te jure, non. Non, je rigole. Ouais, les yeah, la coupe. Alors, la coupe. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais sorti du coiffeur, j'étais très déçu. Et mon père m'avait forcé de lui envoyer une photo de ma tête. C'est cette année-là aussi où je pars à Madrid. Oh là là, je suis parti à Madrid avec mes parents. Pourquoi? Le prétexte. Voir les gros yokus de taureau, évidemment. Je suis surtout parti à Madrid. Los tapas de Madrid, pan con tomate. Et el jamón ibérico. Oh là là, la pépite, ça c'était trop bon. Et en fait, c'est fou parce que j'y suis retourné là à Madrid récemment, en février avec ma classe. Et du coup, bah là, je me rappelle, je vois où est-ce que c'est. En fait, j'étais trop content. Madrid, c'est une super ville. Regarde, c'est comme c'est joli. Je me rappelle, là, j'étais en mode avion pour gagner un maximum de batterie. Et je vous assure que c'est vrai, je me rappelle très bien. Oh, elle est stylée cette photo. Il y a l'angle et tout. Putain, bien. Bien le gamin. Olé, il avait acheté. Il avait acheté le sac. Et je l'ai encore ce sac. Il est trop bien ce sac. Et là. Et là, il y est allé. Au stade de l'Atlético. Je me rappelle, les gars. J'ai pleuré. Quand je suis rentré dans les tribunes. J'ai pleuré. J'avais tellement d'émotions. J'étais tellement fan de Griezmann. J'étais tellement fan. J'ai pleuré. Parce que je savais qu'il avait joué là. Et en 2018, à cette époque-là, il était tout neuf le stade. Il venait d'être inauguré. Et avant, c'était pas le Civitas Metropolitano. C'était le Wanda Metropolitano. Regarde ça.
Atlético Madrid. Elle est magnifique, c'est magnifique. Oh, quel club. Le drapeau de feu, où on voit vraiment pas le logo. C'est bien dommage. C'était le soir de Inter Atletico, ils avaient perdu 1-0, j'étais dégoûté. Mais j'y suis pas allé, j'avais juste fait la visite. J'avais pas de place. Il y avait l'Europa, ils venaient de gagner l'Europa League. Je vous jure, regardez-moi cette vidéo. Ouais, bon, j'étais pas caméraman à l'époque, hein, mais... J'étais déjà tellement content, mais un truc de fou. Et là, on descendait, je m'en rappelle. On va arriver dans les vestiaires, là. La taille du gamin. Numéro 7 floqué derrière le maillot. C'était pour Noël, j'avais eu ce maillot. J'étais trop content. Regarde-le, regarde-le, il s'assit là. Il s'assit là. Et là, c'est la tête d'un gamin qui est juste épanoui et qui est trop content. Oh là là, je faisais tout le temps le même sourire, il était horrible. Allez, là, on s'y croit. Je suis désolé, là, on s'y croit. Là, on s'y croit. C'est le maillot de l'Atlético, c'est le vrai joueur. À cette époque-là, je voulais jouer là-bas. Et là, cette coupe. Avec laquelle on avait le droit de prendre une photo, mais qu'on n'avait pas le droit de toucher, et que j'ai touché. J'ai mis j'ai placé un petit doigt, j'ai fait un... Comme ça, tranquille. Ça se trouve, j'ai mis mes mains là où Antoine les a mises. Et rien que d'y penser, c'est magnifique, tu vois. Regardez-moi ça. Et des poissons. Oui, mais voilà les poissons, c'est quoi ça? Je suis désolé, mais là, on s'y croit. On s'y croit? Regarde, regarde ça. C'est devant la boutique. J'avais acheté un maillot, et il est là, c'est celui-là. C'est exactement ce maillot. Et là, on s'y croit, on dirait que je suis avec les joueurs. Rigole, hein. Mais je te jure que ça fait. Bon, après, le poteau, là, il est caché, mais... Moi, je trouve que ça passe vraiment bien. On a déjà regardé pas mal de choses, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Si vous voulez un deuxième épisode, on pourra en faire un deuxième, avec plaisir. J'ai vraiment pas cette même approche de la vie quand j'étais gamin, c'était incroyable. Moi, à la fois, ça me gêne, et à la fois, ça me fait rire et j'adore. Parce que en vrai, j'étais déjà un peu dans YouTube et tout, moi, ça me plaît. Je suis content d'avoir été comme ça, tu vois. J'étais déjà attiré par ce milieu-là, et bah ouais, ça m'en fier. Hein. C'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, d'ailleurs, hein, parce que c'est... C'est un ro. J'ai essayé de faire une blague avec... Ouais, bon, vas-y. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la faire. Ça changeait des vidéos d'habitude. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas en faire une vidéo. Comme ça, au moins, c'est sur Internet, on rigole tous. C'était une belle époque. Dites-moi en commentaire si vous voulez un deuxième épisode ou si on arrête là, parce que c'est juste chiant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus. Islay ! J'ai réussi à le faire alors que j'ai plus de voix, c'est fou. Je suis monté dans l'aigu comme ça, clac. Plus que... Lady Gaga ou Katy Perry. Baby, I'm fine, you work. Ça part un peu en couille quand même. J'ai essayé de faire un peu un truc stylé, mais je crois que c'est pas... Non, hein.